Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui, nous allons jouer avec la tête à coiffer de Poppy des Trolls. Au dos de la boîte, on nous montre tous les accessoires qui viennent dans ce coffret. Et sans plus attendre, on va la déballer. La voici dans son très joli décor. Tout simple, mais avec de belles couleurs. Et la voici en dehors de la boîte. Donc Poppy est vraiment très très mignonne. Elle ressemble bien évidemment à celle du film, avec de très beaux cheveux, très lisses. Et sur la base, il y a des emplacements pour mettre les différents accessoires. Il y a ce joli peigne. Il y a aussi ces trois mini peignes à cheveux qu'on peut mettre sur toute sa chevelure. Et il y a également 5 barrettes de différentes couleurs. On va tout de suite commencer par peigner sa jolie chevelure. Et elle est vraiment très soyeuse, donc très facile à peigner. Là, je retrousse un petit peu le haut. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les peignes à cheveux. Donc le premier, je le mets là. Il faut bien tirer vers le haut pour que ça tienne bien. Le deuxième, on va le mettre au milieu. Et vous tirez bien sur les cheveux. Et le troisième, on va le mettre de l'autre côté. C'est déjà vraiment très joli comme ça. Et on va rajouter aussi des barrettes tout en haut. Donc la première, la jaune, je la mets là. Voilà. Et la deuxième, je vais la mettre à côté. Et là, on a déjà la première coiffure de Poppy. Elle est vraiment adorable. Il est temps maintenant de lui enlever les élastiques qui sont sur les deux côtés, car elle a des mèches. Voilà. On va les peigner. Très facile, tellement elles sont lisses. Et on va enlever également l'autre. Et rien que comme ça, elle est adorable. Mais on va rajouter de petites barrettes. On va mettre la première de ce côté. Voilà. Et on va en mettre une autre ici. Donc on prend la moitié de la mèche. Et le reste des cheveux pour l'autre barrette. N'est-elle pas toute mignonne? Et voici à quoi ressemble la deuxième coupe avec tous les accessoires. Et maintenant, on va lui faire deux tresses sur les deux côtés. Donc pour faire les tresses, rien de plus facile. On rabat vers le milieu. Là, on rabat vers le milieu. Et comme ceci. C'est vraiment très simple. Vous avez trois mèches et vous rabattez celle qui est sur le côté vers le milieu et ainsi de suite. D'abord la gauche, ensuite la droite. Là, j'utilise l'élastique qui était dans le coffret. Et maintenant, je vais mettre une barrette. Car si j'avais mis juste la barrette, sans l'élastique, la tresse n'aurait pas tenu. Et maintenant, je vais faire la deuxième tresse et je vais procéder exactement de la même manière.
Et voici Poppy encore plus adorable avec ses deux tresses et la troisième coiffure. Pour la prochaine coiffure, on va prendre de petites mèches, les enrouler et les attacher à sa chevelure comme ceci avec une barrette. Et je vais faire une autre mèche de l'autre côté. Et là, j'attache ça avec une barrette. On va mettre le peigne à cheveux ici. Et voilà. Je pourrais faire toutes les mèches, mais j'aime bien quand il y en a qui descendent comme ça, des deux côtés. Ça fait très mignon. Donc, qu'est-ce que vous pensez de celle-là? Celle-ci est la quatrième coiffure. Elle est tellement adorable que toutes les coiffures lui vont hyper bien. Il est temps de ranger les accessoires. On va mettre le peigne ici. Et les peignes à cheveux, on va les mettre de l'autre côté. Voilà. Et derrière, on va mettre les barrettes. Poppy est très contente des coiffures qu'on vient de lui faire et elle nous a apporté deux petits cadeaux. Des sachets surprises des trolls. Alors, voyons voir. Et là, donc là, ce petit troll n'a pas de tête, juste des cheveux de couleur vert fluo. Et il est également sur la pochette. Donc, si vous connaissez son nom, dites-le moi dans les commentaires. On va voir le deuxième. Et là non plus, pas de tête, juste des cheveux de couleur fuchsia. Et il a la même forme que l'autre. Poppy est vraiment très très contente de ce qu'on a fait aujourd'hui avec sa belle chevelure. On a utilisé tous les accessoires, on lui a fait 4 coiffures en tout. Dites-moi dans les commentaires laquelle des 4 vous avez préférée. Choix très difficile, tellement elle est mignonne. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée et à très bientôt sur Madame Récré.